Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et je vais pas y arriver. Et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Prey. Voilà, ça y est, j'ai enfin réussi à passer la porte. Et donc on y va, on progresse. Ça a dû faire mal. Et donc ? Ok. Pourquoi pas ? Ah, tu repars ? Attention, bombe de choc placement imminente. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Non, recommence pas ! Attention, cherchez un abri, bombe de choc placement imminente. 5. Ouh, j'ai eu peur de rester dans le noir. Est-ce que ça va être une mécanique, ça, ou... Oh là 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 là. Ça vous prend dans les oreilles et vous perdez... Vous n'avez plus conscience des mimiques. C'est de la saloperie. Bonjour. Pas encore. Oh! Je vais chercher le chef et Lazare. On vous envoie. Apparemment, ça s'est arrêté. Le plus vite possible. Oh, mais c'est quoi ce moment de merde? Oh la gueule! Attention, cherchez un abri. Une de choc placement à bord. 5, 4, 3, 2, 1. Ça va pas être chiant du tout. Je vous jure. Ça va pas être chiant du tout. Merci. Ah, c'est les flammes. Ok, c'est pas grave. Je cherche vis-à-vis du coffre. Hein. Enfin, du. Oui, du coffre. Bombe de choc plasma imminente. Attention, cherchez un abri. Bombe de choc plasma imminente. 5. Fous-toi de ma gueule. Putain, c'est horrible. 2. 1. Je dirais même que c'est horriblement casse-couille. C'est horriblement casse-couille. Tome 2, donc non, il n'y a pas assez de chiffres. 2031. Peut-être. Nope. Le temps s'arrête ou ça continue encore et encore? C'est que le début, d'accord, d'accord. Oh. Oh. X. Voilà, c'est bon, on a réussi. Digicode à mon ami Digicode. Tu me reconnais? C'est moi. Bombe
de choc plasma. Ouais, ouais, j'ai bien compris. Attention, cherchez un abri. Onde de choc plasma dans 5, 4, 3, 2, 1. Et ça va me casser les couilles absolument tout le temps comme ça ou... Parce que là, autant le dire tout de suite, hein, on peut s'arrêter là. Hein. Si c'est pour me casser les couilles à ce point-là. Passage, c'est faible, c'est sensible à quoi? À rien. On va essayer ça alors. Et ça donne que dalle en plus, c'est génial. Attention. Oh. Oh que ça me pète les couilles. Attention, cherchez un abri. Onde de choc plasma dans 5, 4, 3, 2, 1. Oh bonhomme, t'es où? T'es là. Putain, c'est lui qui a la clé. T'es pas sérieux, j'ai pas crevé là-dedans. C'est horrible, comment ça vous prend la tête ce bruit? Propulsion, on a manqué de l'hydrogène. Ah bah oui, bah je veux bien, tiens, vas-y, équipe. Merci. Là, il faudrait que j'en augmente plein. Psychotronique pour débloquer plus d'emplacements. Psychotronique. Ça doit peut-être être dans l'énergie, non, même pas. Dans ingénieur, peut-être, effectivement. Non. Je pourrais, donc je le fais. Psychotronique, ça va être par là, non, c'est ça? Ah, c'est là, cool. Au moins, on saura pour la prochaine fois. J'aimerais améliorer ça, parce que là, clairement, je dois stopper mes ennemis. Je me suis trompé de bouton, c'est ça? Je me suis toujours trompé de bouton, c'est ça? R pour menu, voilà. Améliorer, merci. Oui. Ah, faut que ça glue là, mais faut que ça glue violemment. Hein. Voilà, on va mettre ça comme ça. Attention, cherchez un abri. Onde de choc plasma dans 5, 4. What? 3, 2. Contrôle des machines, manipulation à distance. Putain, ça c'est bon ça. Nouvelle aptitude disponible. Sure. Attention, onde de choc plasma imminente. Attention. Cherchez un abri, onde de choc plasma dans 5. Apparemment, j'ai encore débloqué de nouveaux trucs. Ah oui, c'est là-dedans. Neuromode, transformation, c'est pas là-dedans. Ouh, c'est quoi ça? Création de fantômes. Ouh! Putain! Résistance à l'éther, d'accord. Capacité inconnue, pourquoi pas. Manipulation à distance, contrôle des machines. Wouah! Tiens, j'étais dans un rayon de 10 mètres, ça va être carrément pratique! 4, ouais, 3, ta gueule, hein, tu 2, sais quoi? 1. Hop, merci. Comment j'ouvre? Merci, voilà.
Oh putain, j'ai pas envie d'être là, hein. Non, sérieusement, hein, je... Ils te prennent pour quelque chose, monstre. C'est à nous entendre. Je vous dis, je projette les nouvelles lignées cellulaires. Elle les combat comme le ferait un antivirus. Non. Pas sans mon scanner. Cargo Bay, Shuttle Bay, Arboretum. Oh, j'ai par où? Tout l'écosystème des Typhons semble basé sur la création de cette substance. Les premiers chercheurs l'ont appelé corail. C'est splendide. Mais nous ne sommes pas certains de son utilité. Il ne s'est jamais étendu au-delà du cylindre de confinement. Ah bah si. Et si, j'étais sûr qu'il s'est étendu là pour le coup, là. Hein. Sans conteste. Hop, parfait. Et apparemment, ils fournissent moult. Essayons. Je sais pourquoi ils font ça. Hein. Quoi? C'est cool, je l'ai perdu. Tu sais quoi? Fuck it. Ça me voit pas, j'ai l'impression. Si? C'est donc un tisseur, un deuxième tisseur. Terminé. Répulsion 2, création de fantômes. Nouvelle aptitude. Ouais, bah écoute, je vais crever dans très peu de temps parce que j'arrive pas à me faire à cette interface qui veut impérativement ma mort. Mais pas la leur. Ok. Combinaison endommagée. T'es insensible à la glu ou quoi? Parce que là, faut peut-être pas se foutre de la gueule du monde non plus, hein. Tu le dis si ça va pas, hein. Parce que là, je viens de gaspiller beaucoup de choses. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais il est immortel ou quoi? J'ai besoin de comprendre ce qui se passe en fait, j'arrive pas à faire quoi que ce soit. Il est immortel le tisseur? C'est quoi ce bordel? C'est... Je peux pas lui faire de... Je peux pas l'engluer? Je peux pas le... J'ai besoin de comprendre pour le coup là. Sauf que ça fait je sais pas combien de temps que j'ai... Putain, ça fait un bail que j'ai pas... Ils te prennent. Oui, je sais, je suis au courant. Je suis au courant, je suis au courant. Mais ouais, j'aimerais bien comprendre ce que ça a fait, cette saloperie, finalement. Puisque... Tout l'écosystème des Typhons semble basé sur la création de cette substance. Les premiers chercheurs l'ont appelé corail. C'est splendide. Mais nous ne sommes pas certains de son utilité. Il ne s'est jamais étendu au-delà du cylindre de confinement, jusqu'à maintenant. Normalement,
Et là, il va s'enfuir. Ok, je l'ai eu. Maintenant. Il y a un truc que je comprends pas. Il y a un truc que je comprends pas à propos de cette saloperie, c'est que j'ai pas l'impression de pouvoir y arriver. Vous voyez ? Là j'ai fait des dégâts. J'ai l'impression que c'est lui qui contrôle toute la station quoi. Je me fais aspirer par le truc là. Donc quand il fait ça, il crée des choses. Allez, oh putain. Voilà. Qu'est-ce que ça m'a donné? What? C'était quoi le truc là? Plasma de Typhoon. À tes souhaits. Qu'est-ce que c'est? Enfin bon, ça m'aide pas. Encore mourir bêtement. J'aimerais bien retrouver le... Il est là-bas. L'ingénieur. J'aimerais bien retrouver l'ingénieur. Putain, j'ai plus que 4 balles. Fais pas de dégâts. Hein. Mettons-nous d'accord. Hein. Excuse-moi, l'ami. Très bien que tu fais ce que tu peux. Merci. Ouais, fuis dur. Merci. Merci, l'ami. Toi, t'es un vrai pote. Je suis l'ingénieur en chef, Eliushin. La centrale électrique est tombée. Je répète. La centrale électrique est tombée. C'est pas trop tôt, ça. Chef, j'y connais rien en communication. Je fais du mieux que je peux. Mika, ici le chef de la sécurité et Lazare. Vous me recevez ? Ça va ? Oui, je m'en sois. J'ai tenté de me connecter au système de haut-parleurs. Mon équipe se trouve dans la zone de fret, mais ces choses aussi, elles sont partout. Vérifiez tout ce qui vous entoure. Tapez dessus un bon coup avec une clé à griffe. Commencez par vérifier la clé à griffe. Sam. Commencez par vérifier, il a raison. Ces choses. Cognez tout ce qui tient debout pour voir si ça vous saute dessus. Trouvez un endroit sûr. Et quand vous serez en sécurité, appelez-moi par Transcribe. Je vous envoie un contact sécurisé. C'est compris ? Compris. Je vais laisser mon Transcribe dans le centre de contrôle du refroidissement. Je suis au bout du couloir, là. Ah, putain. Je vais le chercher. Je pourrais me barricader là-bas. Tout va bien ? Je reprends juste mon souffle. Sarah, pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ? Mika, mets-toi à l'abri. Puis appelle-moi. Ok. L'endroit à que j'ai pas confiance. Ah que, il y a quelqu'un qui a déjà fait le ménage. Ok. Ah que ça me plaît quand les gens font déjà le travail à ma place.
vie d'un employé, ça m'intéresse pas des masses, hein. La pizza m'intéresserait plus, putain. Quelqu'un a déjà fait le ménage. Ok. Merci. Je vérifie qu'il y a rien d'autre à visiter ou un truc comme ça. Ok, Arboretum, c'est parti mon kiki. Wouh! Eh ben on en chie, hein. On en chie, chers amis. Je vois pas... Alors apparemment, à mon avis, le jeu est buggé un petit peu sur les bords, parce que vous avez pu voir tout à l'heure que j'arrivais pas du tout à tirer sur la saloperie. La saloperie de tisseur. Donc ouais, je sais pas. Il me faudrait un recycleur et un constructeur, ça serait cool. Allez. Ah bah ça va pas être pour tout de suite. Ah si! Beau travail. L'entrée du stockage se trouve derrière l'arboretum. Va te faire foutre. Va te faire foutre, saloperie. C'est ce que vous disiez dans son dos. Mais dans ce cas, vous seriez qui? Neptune? Pluton? What? Tu me parles de choses. Soyons d'accord. Ça va pas le faire. Ok. Recycle. Donne à manger. Merci. Voilà. Il y a encore des bruits que j'aime pas. Oh. Tellement de choses qui m'intéresseraient. Vas-y, fais péter. Fais péter. Un petit dernier, voilà. Merci. Allez. Fais un heureux. T'es chiant. Si je regarde l'écran en fait, si je regarde le truc. Regardez. Hop. Là c'est les dernières cartouches que je fais, ensuite on fait quelques neuromodes. Non, quelques kits de secours, je suis con. Hop là. Hop. Ok, et maintenant. Crac. Crac boum hu. Hop. Soyons fous, hein. Ok, neuromode. Télépathie. Ça, clairement, hein, je pense que vous êtes tous d'accord avec moi, c'est nécessaire. Ça, ça pourrait être pratique aussi. Ça, c'est quoi? Contrôle mental. Forcez l'ennemi biologique à interrompre les hostilités à se battre pour vous pendant un maximum de 20 secondes. Libère les humains de l'emprise mentale des typhoons. What? Ça peut être sympa, ça. Oh la vache, il y a tellement moyen de se protéger de choses et d'autres. Peut-être partir sur un neuromode supplémentaire pour prendre le contrôle des machines, pour m'assurer que je puisse le faire en cas de besoin. Surtout qu'apparemment, ils m'ont bien montré que là, en ce moment, il y avait quelques machines qui m'attendaient. Pourquoi? Pourquoi tu veux pas?
Notre chef ingénieur en neuromode, Alden Graves, a caché un coupe-circuit dans la licence des plans du neuromode. Dommage, c'était un bon ingénieur. Je pense qu'il avait des doutes à propos des composants les plus exotiques. Tu vas devoir utiliser son poste de travail pour réinitialiser la licence. Son bureau se trouve dans le département neuromode. Ok, génial, merci. Va te faire foutre au passage. Tiens, voilà, tri. Neuromode, par contre ça m'empêche pas. J'en ai deux. Neuromode Rocky 2, mais je ne peux pas. Tiens, neuromode. Nikkei, comme l'indice japonais. Mais j'ai pas le droit de le débloquer. Recherche insuffisante apparemment, d'accord. Je croyais que je l'aurais terminé, mais bon, pourquoi pas. Ah, bon bah on y va alors, hein. On progresse. J'aime bien quand le jeu me donne de la glu avec de la glu et un peu plus de glu en... What the? Bordel. Comment vous sentez-vous? Ce typhoon. Aucune recherche n'en fait mention. Ouais, mais je veux pas. Ouais. Compte sur moi. De toute façon, c'est pas comme si je pouvais. Oh putain, je peux. Yo. Yo, Marc. Forme, apparemment pas, hein. Un peu de sport, ça te ferait du bien, dis donc. Hein. Ça permettrait de te bouger un petit peu. Ça va rester immobile comme ça sur son bureau ou dans un conduit. Ce serait bien plus rapide et plus sûr que de devoir retraverser les TEG. Réparer l'ascenseur, c'est ça? Ouais. Mon cul, oui. Non, genre sérieusement, j'ai pas envie du tout d'être là. Bonjour. C'est pas la forme pour toi non plus, à ce que je vois. Oh là 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 là. Oh, laisse-moi tranquille. Par ici! Ouvrez cette porte! Je vous en supplie! Vous pouvez l'ouvrir? Vous pouvez l'ouvrir? Scan terminé. D'autres spécimens sont requis. Qu'est-ce que c'est? Sous contrôle. Ok. Ça vous rappelle rien? Ça vous rappelle rien, tout ça? C'était dans quoi? C'était là-dedans. Merci. Nouvelle aptitude aussi disponible. Alors les filles, j'aimerais vous en libérer, honnêtement.
Honnêtement, j'aimerais. Cependant, j'ai comme qui dirait l'impression que je ne puisse pas. Vu qu'il me faut un total de 5 neuromodes que je n'ai pas. Ça me voit à travers les murs. Tu veux bien te mettre en HS? Bon, je pense qu'elle est HS, c'est bon. En tout cas, clairement, j'aime pas l'endroit. Ah. Mettons-nous d'accord sur notre désaccord. Je n'aime pas l'endroit. Yo. Là-dedans, il y a de la sale bête. Du coup, ma question va être, est-ce qu'il y a une autre entrée? Sans doute. Apparemment, non. Alors j'espère que tu t'es pas coincé là comme un con, Marcus. Non, c'est bon. Ok, entrée 165. J'ai réussi à réduire le temps de maturation d'environ 10 minutes. D'accord. Ok. Faut que je trouve le docteur. Bon, on va pirater la chose, hein. Ok, c'est parti. Il faut que j'aille là. Je viens de là. F. C'est bon. Je suis passé vous voir, même si c'est pas là, j'ai parcouru le rapport d'expérience et besoin d'un carré sanitaire. Vous devriez passer par la phase suivante dans l'arboretum. D'accord, intéressant. Donc, apparemment, il y a des phases en fonction de l'endroit où vous êtes. Ah. Là. Ah, il m'a ressemblé en entendant des choses. Étrange, autant pour moi. Autant pour moi. Ça m'embête qu'on n'ait pas re-rencontré la chose. Ok. Coucou. Ouh, c'est la fameuse porte non alimentée. Bah voilà. Maintenant c'est réglé. Ce qui veut dire que cette chose a pris plus ou moins ce chemin. Toi encore, tu me déranges pas? J'ai presque envie de dire que...
toi non plus. Vous, vous m'emmerdez un peu plus, mais c'est pour la bonne chose, vu que je vais pouvoir, la bonne cause, pardon, vu que je vais pouvoir prendre le contrôle ou la manipulation à distance de type, de niveau 1, pardon. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais bien faire pour m'occuper d'eux? Une petite IEM, j'en ai 13. Bon après-midi, Talos. Rappel de sécurité. Les post-it, ne sont pas un moyen sécurisé de vous souvenir du mot de passe de votre poste de travail. Bah écoutez, salut. Je suis désolé, c'est pas faute d'essayer de vous abattre, mais Y'a une plaque ou quoi là? Putain, y'a une plaque! Bah écoute, on va faire ça autrement. C'est toujours pas ça que je voulais faire. Hein. Ok, là maintenant c'est ouvert. Oh là là, le gâche-pillage. Et là, je vous ai cadé. Et ça marche longtemps ou... Et donc tu comptes rester immortel longtemps ou... Ça, il en a rien à cirer apparemment hein. Donc bah, je vais être obligé de gaspiller des munitions et des munitions et des munitions. Quoique, manipulation à distance, explosion kinétique. Ça vous a suffi? Ok, cool, merci. Question. Quoi? Alors là, je suis désolé. C'est censé marcher. Bon. D'abord, on commence par ça. Ok. Ensuite, on va hacker, puisqu'il faut absolument qu'on hack. F, voilà. Je pensais pouvoir interagir avec l'écran, mais apparemment non. Ok, cool. Batterie à rayonnement Q. Oui, c'est vrai que j'utilise jamais ce truc là, mais en même temps ça a pas l'air tellement efficace, hein, je veux pas dire. Bon, là il m'en file plein, donc ça veut à mon avis dire que je vais devoir l'utiliser. 1964, tout le temps, partout, ok si tu veux. S'il y aurait un coffre, je dirais que ce serait 1964 le truc. Télécharger la carte de la zone. Poste de sécurité. Verrouillé. Donc là, t'es en train de me dire que j'ai complètement verrouillé le poste de sécurité, quoi. C'est... Ok. Bah, c'est pas drôle! Surtout que j'ai aucune autre information là-dedans, quoi. Donc j'ai pas trop envie d'aller par là pour le moment.
Il y a dans l'une de ces deux tourelles une saloperie. De Typhoon. Vous voyez qui m'a vu ? Parce que j'ai encore un doute. Où est-ce qu'il est, tiens, d'ailleurs, ce canon ? Oh ! Bah si je m'attendais à ce que ce soit si efficace, si j'avais su, honnêtement, alors là il y en a un des deux, que je sais ne pas être une... de ces saloperies, mais bon, c'est pas grave. On l'a vu s'en mettre tout à l'heure ensemble, chers amis, normalement, donc... je suis désolé. Hop. William Yu, d'accord. Un neuromode, je prends une note, vérifie les concentrations de phosphate, d'accord, dans le carré 2. Julien Howard, mot de passe, ok. Ok. Ça aurait été le mot de passe de la storage room. Non, il faut une carte d'accès, c'est ça. Ouais, carte d'accès. Carte d'accès et j'ai pas. Ok, pourquoi il des fois il m'ouvre le menu un peu de manière aléatoire, hein, je dois dire. C'est assez étrange, j'ai l'impression que ce jeu est parfois buggé, parfois pas. Et dit comme ça, c'est encore plus étrange en fait. Ok, bon. Bon, on va rentrer là-dedans, tant pis, on va sauver personne. Peut-être que si je bute... Attendez. Ça mérite une sauvegarde. Peut-être que si je bute la truc qui les contrôle... Hey. J'ai fui comme un couard. Aidez-moi, faites-le taire. Rien, tu vois, rien. Salut les filles, cherche votre papa. Je dois écouter. Vous l'auriez pas vu. Ça vole ? Ça vole ! Ok, il vient de m'arriver un truc. Je suis encore en train de chercher quoi. Donc, un, ça vole. Deux, peut-être que réussir à passer de là à quelque part d'autre ne serait pas une si mauvaise idée. Ne vous approchez pas. Apparemment, c'est assez haut, hein, comme truc.
Profitons. Scan terminé. Ok, merci. Nouvelle aptitude psy disponible. Il y a des boules violettes. Je sais pas ce qui me recte à cette vitesse. Vous avez pu voir à quelle vitesse j'ai été recte? C'était violent, hein. Dire qu'il y en a qui jouent en cauchemar, quoi, je comprends pas. T'inquiète, je recule. Hein. Je crois que je suis pas sûr d'être censé être là-dedans en fait. Parti dans la bonne direction. Scan terminé. Ok, on est bon. Nouvelle aptitude psy disponible. Apparemment, il envoie pas l'info aux autres, hein. Il n'envoie pas au pluriel d'ailleurs. D'accord, je peux pas tirer sur les projectiles. C'est bon de le savoir. On va chercher la faille, chers amis. On va chercher la faille. D'ailleurs, en parlant de faille. Je vais avoir besoin d'aller voir dans les recherches, dans les données, dans les recherches sans doute. Télépathe, faiblesse, explosion, feu, onde zéro. Explosion et feu. J'ai pas grand chose à ce sujet-là. Putain, mais tout à l'heure je l'ai fait. D'accord, ça a une espèce de répulsion en plus. Ça a une espèce de répulsion en plus d'être... ma foi, assez craqué déjà de base. Putain, mais c'est débile. Sers-toi de tes mains, quoi. Ça fait des dégâts de malade. Ça fait des dégâts de malade mental. On va tenter une autre arme, hein, tant pis, hein. Qu'est-ce que j'ai en grenade? Émetteur d'onde... Ah, putain, je pourrais balancer un émetteur d'onde zéro dessus. Je sais pas si ça marche. Je sais pas si ça pourrait marcher, parce que si c'est le cas, après, il me reste plus qu'à le charger avec le... Non.
putain, ça a l'air d'avoir marché. Putain. Astuce de ouf, gueudin. Wouh. Et du coup, vous êtes tous saufs, les mecs. Oh merde. Docteur Yu, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que... Bon Dieu, dites-moi que vous avez tué cette chose. Je suis venu ici pour déployer les TEA, les tourelles éradicatrices. On va éviter? C'était comme si toutes les couleurs avaient fondu sur place. Ah, tout semblait... gris. Bizarre. Je pouvais plus me contrôler. D'accord. Mais les TEA sont toujours dans le KGB à côté. Non. On peut encore les utiliser. Non. Voilà le code. Je vais aller à la zone de fret. Les agents de sécurité étaient censés se replier là-bas. Sinon, Sarah va me botter le cul si j'y vais pas. D'accord, mais non. Ok. Ce n'est pas la première fois qu'un typhoon s'échappe. C'est déjà arrivé. Un peu avant vos premiers tests de neuromode. Ok. F. Ok, c'est bon. On est bien senti. Je sais pas c'est quoi comme opérateur ça. Mais Alex a juré qu'il maîtrisait la... Scientifique. On n'a pas encore toutes les bonnes mécaniques hein, vis-à-vis de... Merci. Vous êtes débile. Ah bon. Peur. D'accord. C'est pour résister à la peur, je présume. Une onde de peur. Ouais, non, faut pas qu'il s'enfuit parce qu'après il se replanque et après on est baisé. Enfin, selon moi. Ouais. Ouais, ouais, pourquoi pas, hein, c'est... Les bananes d'Elios, oui, pourquoi pas. Bananier, bananier. Bananier, 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 bananier. Bien manger des bananes quand même. Merde. Ok. Ça fait du bien par où ça passe, cela dit. Citron séléné. Écoute, je ne dis pas non. Moi j'aime bien manger des citrons en plus en vrai. Citron c'est bon. Ça vous bousille l'estomac en trop grande quantité, mais sinon c'est bon. D'accord, vous avez des bananiers avec des espèces de trucs qui ressemblent plus à des... à autre chose que des bananes en fait, littéralement. Hein. Bonjour. Ok, bon bah ça c'est bon. Vous avez trouvé ça, les TEA? J'espère qu'elles vont déchiqueter ces créatures. Mais elles sont pas là-dedans. Elles sont pas là-dedans, tu me mitonnes. On parle du fait que la peinture a dissous et que le mur est devenu... bon, c'est pas grave. Ok. C'est là-bas. Si elles sont actives. Honnêtement, j'avais peur qu'elles soient actives. Parce que si elles l'avaient été, j'aurais été dans la merde. Inconscient, inconscient, d'accord. Pas plus mal finalement que ça les rende inconscients. Peut-être qu'ils seront moins ciblés par les... C'est ici, hein, de mémoire. De mémoire, c'était ici. Voilà que j'avais la porte. Ok. Ok.
Voilà, plus tout le rebut habituel. Et ça nous fait des chocs à pic. Allez, chocs à pic. Ok, bon, c'est bon. Écoutez, on peut remonter maintenant. Ah oui, non, ça va, il sert de ses mains qu'une fois sur 36. Ok, c'est bon. Bon, on est dans l'épisode de passage. Je regarde pas. 56 minutes, et bah écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. Merci d'avoir regardé, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Salut les gens, et yo!